Eh bien, salut à toutes et à tous, mes amis, ma c'est Itachius Maki. Donc, on se retrouve donc pour le scan numéro 628 qui est sorti justement aujourd'hui, qui s'intitule Ici et maintenant. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai toujours le lien du site dans la description pour regarder tous les scans. Hein, donc, voilà. Alors, donc, le scan commence par le Katon de Madara et de Obito. Et on voit Jubi qui est en train de balancer son bras. Je sais pas où. Et on voit Naruto. Et c'est écrit Naruto et les autres poursuivre le combat en dépit des risques. Donc voilà. Alors on voit ensuite la prochaine image. C'est un bordel monstrueux. Tout explose. Voilà. On voit les soldats de l'Alliance Shinobi avec le chakra de Kyuubi. On voit le Rinnegan de Madara et le Sharingan, le Monkey Sharingan, oui je crois, de Obito. Ensuite voilà, c'est vraiment une grande bataille. Là on voit Susanoo, le Susanoo de Madara et des shurikens, d'énormes shurikens que balance Obito sur sa qui il les balance sur la qui balance sur les ninjas de l'Alliance. Et alors, on voit après on voit Shoji qui dit sans le chakra de Naruto, je serais carbonisé à l'heure qu'il est. Voilà, ils disent tous merci. Bah, en fait, c'est un peu vrai qu'ils seront un peu dans la merde s'il n'y avait pas Naruto, hein, sans le chakra de Naruto. Donc, ensuite, on voit Sakura qui dit le chakra de Naruto nous protège tous, mais est-ce sans risque pour toi, Naruto, tout ça. Donc, voilà. Donc, ensuite, on voit que tout le monde est totalement épuisé. Hein, Après, et donc ensuite, juste après, on voit Kakashi qui dit au-dessus de toi Naruto. Il y a Obito qui s'est téléporté juste au-dessus de Naruto. Donc vite, il se barre vite. Et il commence à faire son discours, voilà, que ça sert à rien de protéger tout le monde, tu t'obstines, tout ça. Et on a une petite conversation avec Kyuubi et Kurama plutôt, maintenant je peux l'appeler comme ça. Il dit ça va Naruto, essayer de contrôler tout le chakra que je t'ai donné, c'est beaucoup trop pour toi. Tu seras très vite à court de chakra. Donc voilà. Voilà, il parle un peu de Jubi, un peu de tout. Et après, il y a Obito qui commence à dire tu t'affaiblis. Et Naruto lui répond, vu que tu sembles apprécier la solitude, tu ne peux pas comprendre. C'est d'être entouré de ceux qui me sont chers, ce qui me rend heureux. C'est là que je puise ma force. Voilà, et là il commence à l'attaquer avec en formant une grande griffe. Et elle est sur le point d'attaquer, il est sur le point d'attaquer Obito, mais comme d'hab, il se téléporte, hein, comme d'habitude. Ensuite, il nous dit, si tu penses que la mort de ton ami constitue en quelque sorte un lien entre vous, alors pourquoi ressens-tu le besoin de les protéger? En fait, il parle de Neji, en fait, de sacrifice de Neji. Bah, il a été tué. Encore tes débats à la... Naruto répond, encore tes débats à la noix. Ce que je peux détester, ce comportement chez toi. Avec ta logique bidon, ce que je voulais dire, c'est que pour mes amis, je suis prêt à tout endurer. Je ne les laisserai pas tomber. Même si ça fait de moi quelqu'un d'égoïste, mais là, il met sa main sur son cœur. Ne pas avoir mes amis ici serait la pire des souffrances à mes yeux. Point barre. Donc voilà. Joli discours de Naruto en mode Kiwi. Et on a Kakashi qui pense, Obito, que recherches-tu en questionnant Naruto? En fait, j'ai l'impression qu'il est en train un peu de le convaincre en fait de revenir. Et tout le monde commence à sourire. Voilà, ça les motive en fait, on va dire. Et elle dit, et Sakura dit bien joué. Et Madara dit, j'avais raison, ce chakra c'est celui d'Hashirama. Et il a un sourire assez diabolique. Donc il est très content, il sait maintenant qu'Hashirama plutôt a été ressuscité, donc puisqu'il adorait se battre contre lui. Voilà, donc il est très content. Et notre ami Jubi se transforme en fait. Il devient un peu plus humain en fait. Hein, et après il y a les soldats qui disent merde, cette technique de sable qui utilisait le chakra de Naruto ne marche plus. Il n'y a pas d'autre technique pouvant l'arrêter, mon vieux. Voilà tout ça. Et je sais pas, ils ont mal aux oreilles. Pardon, ça a dû faire un ultrason. Il dit Naruto, ça ne va pas du tout. Je vais utiliser le Tenpenchi. C'est Kyuubi qui dit, Kurama qui dit ça à Naruto. Il dit, et Naruto dit, c'est quoi ça?
Ensuite, nous revenons à Obito qui dit à Madara, nous allons couper le lien qui nous rattachait à Jubi, plus rien ne le retiendra. Peut-être serait mieux que je devienne moi-même le Shinjiroki. Ok. Les queues de... Ah ouais, on voit ensuite Kyubi qui pousse un énorme cri. Et on le voit avec toutes ses 10 queues, mais en forme de main. C'est un peu bizarre. Ensuite, Madara qui dit la fête va enfin pouvoir commencer. Voilà, il est tout content en fait qu'il y a Hashirama, tout ça. Mais juste pour prévenir qu'ils sont pas encore arrivés, Sasuke, que tout ça, ils sont pas encore arrivés. Il dit cette fois, je vais faire disparaître Jui pour de bon. Alors, petite hypothèse en fait, parce que quand Naruto a donné le chakra à tout le monde, et quand le QG de l'Alliance allait disparaître, quand Shikaku et Inoshi, le père de Shikamaru et de Ino, on dit bon, vous connaissez le plan, tout ça. Il parlait souvent à Kakeji. On était sûr qu'avec le chakra de Kyubi, il avait l'intention de le téléporter carrément Jubi dans la autre dimension. Mais avant, il faut qu'il les tue, les deux là, Madara et Obito. Surtout Obito, parce qu'après, il peut le re-téléporter, tout ça. C'est un peu bizarre. Voilà. Et donc, il dit cette fois, je vais faire disparaître Jubi pour de bon. Et nous avons Obito qui va juste devant. Kakashi dit on dirait que tu attendais ce moment pour attaquer Kakashi, et bien moi aussi. Et ils sont tous les deux devant, tous les deux en face à face. Je pense que ça va être un combat énorme. Voilà, et ils sont tous les deux, les deux anciens amis. Ça me fait penser à Kakashi, à Naruto et à Sasuke en fait, les deux. Et donc Naruto en mode démon renard avec Kyubi dit non, Kakashi sensei, et Kakashi dit Naruto, je te confie la suite. Et les deux, Kakashi et Obito, se téléportent en même temps dans la même dimension. Et voilà. Oula. Ah oui, d'accord. Et donc là, on voit un gros bazar. Là, on voit tout se déchaîne. Il y a des tempêtes, de l'orage, la foudre, tout ça. Et tout le monde est un vrai cataclysme, franchement. Et la dernière phrase, c'est destruction complète. Que va-t-il arriver à Kakashi et à Obito? Et Obito. Donc voilà, le scan se finit exactement comme ça, hein, par la dernière image d'un véritable typhon. Voilà, une véritable destruction. Donc voilà. Donc voilà, le scan se finit comme ça. Le numéro 628, qui s'intitule Ici et maintenant. Donc voilà, c'est en fait un combat avec le combat Jubi, Obito et Madara contre l'alliance entière Shinobi. Voilà. Donc c'est un combat complètement épique là pour l'instant. Et voilà, Naruto nous sort de bons discours parce que voilà, ça nous touche. Et je sais pas, il nous a parlé d'un étrange truc Kyubi. Je vais devoir utiliser le je sais pas quoi. Attendez, je vais remettre les anciennes pages. Là, non, ça ne va pas du tout. Je vais utiliser le Tenpenchi. Alors là, on connaît rien à propos de ça. Donc voilà. Voilà, donc il y a toujours cette rivalité avec entre Kyubi entre Obito et Kakashi, hein. Obito est vraiment énervé, je pense, il a vraiment envie de le battre, Kakashi. Donc voilà, et donc ça va, Kakashi n'a pas encore fait ses discours à Obito, ouais, mais pourquoi t'as fait ça, tout ça. Donc ça va, c'était un peu ennuyeux. Donc voilà, bon bah merci d'avoir regardé ce scan numéro 628. Qu'est-ce qui se passera pour moi, d'après mon avis personnel, du scan 629? Il y aura forcément obligé que sont devenus qu'est-ce qu'elle devient l'alliance Shinobi après cette tempête. Et on va peut-être savoir la technique, le Tenpenchi, je sais pas quoi là, comment il s'appelle, de Kurama. Et nous aurons l'arrivée aussi de Hashirama, les 4 Kage, Hokage, avec Sasuke, Orochimaru, Karin, Suigetsu et Jugo. Et voilà. Donc on finit, le scan se finit comme ça. Voilà. C'est tout. Et peut-être on saura que sont devenus les Kage. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ce scan de Naruto. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et m'abonner. Et vous abonner à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Hein, ça me motive encore plus. Et on se retrouve pour le prochain scan dans une semaine. Allez, salut à tous!